Bonsoir à toutes et à tous. Une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous faire vibrer pendant ce match. Le duo da Fonseca da Silva, la team Dada au grand complet. On retrouve tout de suite les championnats belges avec cet intéressant duel de Pro League. Genk contre Charleroi. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Quelle la fête commence. Et c'est parti dans ce match. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il élimine son adversaire. Oh, le tir! Et le gardien se déploie bien sur ce ballon. Ah, le corner bien tiré. Oh, ce ballon dévié! Et ça surprend tout le monde, mais c'est dedans et ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire bizarre. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Rossovski. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Un ballon facile à saisir. Hors jeu de peu. Ouais, c'est une transmission interceptée.
Allez, peut-être une occasion de but à venir. Attention, très bonne occasion. Bonne intervention du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Mais oui, le tir. Ah non, la frappe est manquée. La relance du gardien est un peu manquée. Onuachu. La projection dans le camp de l'adversaire. Facile dans les bras du gardien. Le ballon change de camp. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Il frappe. Ah, la frappe est contrée. Le ballon récupéré sans commettre de faute. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Tacle dans la surface, c'est très bien défendu. Et ça peut être dangereux. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Voilà, c'est joué court. Nouveau corner à jouer. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Oui, le tir. Ah non, c'est contré. Et ce corner, c'est une opportunité pour revenir dans le match. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. La mi-temps approche et la différence n'est pas énorme entre les deux équipes. Pour l'équipe locale, c'est toujours faisable. Et je sais ce qui va leur dire le staff. Il y a la place pour revenir dans ce match. Un but de retard, ce n'est pas énorme. Attention, on n'en est pas à faire n'importe quoi. Toujours maintenir l'équilibre. Ballon récupéré dans le camp adverse. Les adversaires pressent. Et non, ballon perdu.
Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et le ballon est centré. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et le danger est éloigné. Ouais, c'est très bien défendu. Ryan Heinen. Et c'est pour Renaud Achou. Daniel Munoz. Ah non, il est perdu ce ballon. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ah non, ce ballon est perdu. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et voilà, on n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Ah non, hors-jeu, c'est sifflé. Rossovski, Castro, Trésor, bon placement entre les lignes, ballon récupéré. L'action se poursuit dans le camp adverse. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Oui, très bon arrêt. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Brian Heinen. Le ballon change de camp. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Oui, bon plongeon là-dessus. Allez, le jeu est interrompu pour un remplacement. Petite combinaison. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Le corner. Oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Le corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête.
Cet arrêt veut cher parce qu'il permet de maintenir l'espoir. Et l'espoir, ça ne s'achète pas au supermarché. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Et le tir part bien dans les bras du gardien sans difficulté. McKenzie. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Castro. Et ce crochet pour revenir dans l'axe. C'est un ballon capté sans difficulté. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. C'est un ballon qui est récupéré. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Patrick Rossowski, très bonne intervention. Brian Heinen, c'est pour Onuachu. Il frappe et le but, voilà. Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et avec ce but, score de parité, un partout. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes, l'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Ah, le gardien repoussé, attention, ce ballon qui traîne. Quel arrêt prodigieux, sans doute l'arrêt du match. Et au bout portant en plus, c'était pas évident. Ah, le corner bien tiré. Oh là là, dégagement complètement loupé. Bien défendu, le ballon est récupéré. Ah oui, l'excellent ballon. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune. Et le changement est demandé et il a lieu. McKenzie. La possession change de camp. L'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Un corner qui est bien ajusté. Le but décisif, peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes.
Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. 3 minutes encore à jouer. Voilà ce qu'indique le quatrième arbitre. Et non, l'arbitre qui revient à la faute. L'avantage ne profitera pas. Ouais, bonne pression pour reprendre la possession. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué, vu la trajectoire de cette frappe. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire, avec une vraie désillusion à domicile. Le point du nul leur échappe au tout dernier moment. Il y a de quoi rager, comme vous dites.